Tchiki a racheté tous les sites. Il a gagné. J'ai entendu un nouveau site qui s'appelle Zumatumba TV. Là, il y aura des émissions, des sketchs et des conférences. Mbote na balandinyo soya émission analyse. Émission analyse, c'est ça, émission Oyo. Tout ça, la analyse, babi. Et ça, la maravoma, mingi, mingi, te awa, na kati ya Zumatumba TV, babi. Tout ça, la affaire, Pasteur Nabiso Oya, Pessi Prophétie, Pasteur Walesa. A Pessi Prophétie, na, à notre président Félix Tshilombo Tshisekedi, babi. Prophétie Oyo et Luki ba problème na kati ya République démocratique du Congo. Le quoi tout ça, analyse et longo ngainabino. Merci la côté technique, Mama Da Silva Babi, Babi la femme, hein, Babi Mwasi Abat. Mama Da Silva, merci na côté à image. Babi, affaire ya président, président Félix Sena, Pasteur Nabiso Walesa. Et Luki vraiment ba problème. Mais, tu me qui peut que soit Pasteur Walesa na interview Mogoya Mouké. Bon, mais Kakulanda, interview Oyo. Tout ça, l'analyse de l'Ongonga Nabino. Et on revient tout juste après. Play. Bandeko, exode de Salema jusqu'aujourd'hui. Bato Bandima, dans le banc, dans la télévision, dans la radio, dans la bande, dans le banc, tout ça, dans la servité de dire, tout ça, dans la bande, dans le banc, nous t'en disons, quitter. Et toujours dans vos exodes de Salemi, dans ma servité, dans ma tebele, mon ketikali, situation très difficile. Mais tout va bien, mais tout va dans la cassale, comme vous venez, Salemaki, dans le jour de ma gamme, pas embatté, dans le jour de ma gamme, je salima. N'a rien dit, une dame de Ménia Salaka. Dans le jour de la liberté, dans le jour de Canada, ma cassi, dans le jour sans de la pomme de Canada, dans le jour sans de la pomme de Canada. Pour respecter ma. Et me dire. Connaître reconnaissance, il y a au serviteur de Dieu. Et ça n'a qu'à beaucoup de mal avec ma serviteur de Dieu, mes amis. Parce que nous tournons à continuer à vous poser pour le moment. À sa chrétien, à sa mutoyer l'Inzambé. À sa mutoyer l'Inzambé, à l'Inzambé. C'est pour cela que nous avons ça du message. Nous balayons pour la compenser de façon que, à sa la prudence, t'as l'air de vous mourir. Et nous voulons, nous avons dit que t'as l'air de faire, mais nous avons dit qu'à qui, que si tu l'as dit, pour le moment, toujours sans de là. Que faut continuer à vous sans de là. Parce que vous allez revenir et ça condamner. Et qu'on s'en est tout au sang de le nom de Jésus. Tout au sang de là. Et les autres sont là, tout le monde. Tout sang de là. Vous dites que vous avez dit 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 que vous avez le problème, les amis, qui en a découragé qui, par partout, il fait un salut de moi, mon vimba, de façon que tout le temps, il y a découragé, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu. Tous ont mis ça, et nous comme nous avons la sécurité de Dieu, tous ont mis ça, nous avons dit, quoi, Elima? Que ça contente, que nous n'avons pas la mission, que ça contient le sang de là. Vous n'avez pas pour la vie, nous avons mis à colobater, nous avons mis à colobater. On va ramener cette arme-là. Ton problème, il s'appelle Awa. On va détruire ce. Oh non, ça s'appelle Azosa. Salama Konikolo. Merci, je pense que Bauti comment on a maloba au pasteur Wale Salobi. Mes chers abonnés. Et tout ça vraiment passe. Ma pasteur en République démocratique du Congo, mon thème ma benza ma casse. Naï Selonga. Na moni message mon côté au pasteur Wale Salobi ma bé. Pasteur Wale ça, il faut tout la vérité. Pasteur Wale ça a fait sa prophétie pour na couple au langi. Ceux qui couplent au langi, babang insambete. Ceux qui couplent au langi, ba yebi insambete. Bangomi bali ba okufa. Tout mona yango. Pasteur Wale ça a fait sa prophétie na diamatifère monko atia tembe. Les lois sont ensemble belle. Le lot pasteur Wale ça a fait sa prophétie na à notre président Félix Tshilombo Tshisekedi. Mais et comme il problème na ba pasteur Moussousou. Pasteur Azasou soit lesté. Pasteur a comme il menace. À ça, nous sommes ensemble. Tant nous sommes en paix, sa vision, nous sommes naïfs et ça peut nous intervenir. Parce que tout le monde a dit, nous sommes en présence de Félix. Ceux qui ont respecté la prophétie,
ma beko sama na mboka. Siko tango muto moni prophétie ya bongo, alobate. Kapona bino. Vraiment ça fait mal. Na République démocratique du Congo, ba faux pasteur bazaming. Je passe mes bolandi émission ya affaire pasteur Baraka. Affaire pasteur Baraka tilelo 9 mois 10e mois yango pasteur Baraka azaka retenu na kati ya Brazzaville mais ba pasteur bazo sala le côté. Bango ezaka ka dim. Ser na moni yo, pesa nga 15 000. Ser na moni yo, pesa boy. Mettons bakangi pasteur Baraka na Brazza et ce bela bango elo moti bazo sala démarche moti. Donc oloba nini? Émission analyse tout ça kaka analyse nga na bino. Tout ça sur na deuxième message oh il y a un message ya président Chilombo Tshisekedi du président de la République démocratique du Congo a baki déboulonnier nazo déboulonnier babi déboulonnier oyoyo et sali makambu ya ndenge na ndenge na ba politiciens message ya président Félix to na message ya président Félix to ça analyse nga na bino et to chité poto kawona to landa play. Je le dis sans peur, je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant, et nous en avons les potentialités. Il y a solo nalobaki que nako déboulonné système dictatorial oyo to kombataki na pays. Mais nazoka moi système ezali mutote système ezali ba méthode o eboma kimboka na biso ba méthode wana ezali lokola corruption ba méthode wana ezali lokola violence ba arrestation arbitraire ba violation à ba droit de l'homme. Motoza a lobby opinion naïe po esepeli si ba konzite ba kangie voire ba bomie motoa sengi a informé que arosa la marche paix pacifique a memi mandoki na mabokote ba bete masasi a koufi ba ka ezebele na mboka na biso nde biloko na lobaki système wana oye kota uta AFDL ti kino lelo enfin kino na décembre 2018 système wana na ko déboulonné yango po bokonzi nga na ngina ko tsa na Congo ezali bokonzi ya ko boma bana mboka te ezali bokonzi ya ko yiba mboka te ezali bokonzi ya ko tonga mboka ya kokotisa kimia pe bolingo kati ya bakongole. Donc soki oyoki moto ayimi elakisi te aza na motema mabe aza na makanisi mabe ke ye alingaki système wana continue. Alors ce moto na FCC aza na makanisi wana ayeba ke nga na ye tokotambola elongo te parce que nga na ye makambo ya bakopo ezalaka wana te na ye kosilisa makambo wana moto nyonso oyo akolinga kopusa na pembeni na nga aya na makanisi ya sika nga na lobi boye nakomi na pouvoir na ye kokanga moto te na ye koboma moto te na ye kokata mondelo pour dire voilà mayemanso masalemaka liboso esengeli masila tolingi sikoyo tobanda etape ya sika oyo tokoloba ke mayemanso malekaki masila totala ndenge nini tokoki kotonga ensemble oyo akobebisa sikoyo na periode oyo tobandi wana etalie mais baoyo banso basalaki oyo basalaki non biso tokokotisa état de droit. État de droit na justice oyo ekozala na nde ekose charge ya kotala individuellement ba problème ya moto na moto wana etalinga susu te l'état moto akosala mosala na ye eza likambo ya individu te voilà. Donc je disais que
quand j'ai parlé de déboulonner la dictature, et je répète en pesant mes mots, je veux m'attaquer à tout ce qui a avili le citoyen congolais, la dignité du Congolais, et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient émis un son contraire par rapport aux autorités du pays. Certains ont même perdu la vie parce que, ayant participé à des manifestations pacifiques, sans avoir d'armes par-devers eux, ont été abattus comme ça, au mépris de la loi et de la dignité humaine. C'est à ça que je vais m'attaquer. C'est ça que je vais éradiquer. À partir de ce moment-là, tout citoyen congolais peut me fréquenter. Tout celui qui est d'accord avec ce point de vue peut me fréquenter. Et puisque je parlais tout à l'heure du FCC, si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous édicter ici, de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'il faisait avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Je n'ai pas de problème individuel avec qui que ce soit. J'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de mauvaises choses, en nous disant, OK, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. C'est qu'ils ne voulaient pas m'entendre dire des choses comme ça parce qu'ils pensaient que moi, j'allais être un président qui allait être complaisant et allait continuer les mêmes méthodes du passé. Je dis non, je n'accepterai pas ça. Je ne vais plus retomber dans ces travers-là. Donc c'est ce que j'entendais par déboulonner le système. Et cela n'empêche pas du tout une coalition avec le FCC parce que ce FCC sait, pour avoir échangé avec nous, quel est l'entendement que nous faisons de cette coalition. Ce sera une coalition au service de notre peuple et de notre pays. Ce ne sera pas une coalition prédatrice, liberticide et dangereuse pour notre développement. Si nous sommes d'accord ou ils sont d'accord avec cet entendement que nous leur avons déjà fait, que nous leur avons déjà transmis, eh bien, nous allons construire cette coalition en toute quiétude, sans avoir de problème de conscience, parce que c'est comme si on avait commis un crime d'avoir respecté la volonté de notre peuple. Parce que je vous rappelle que c'est le peuple congolais qui a voté et qui a sorti ces résultats. Donc c'est au nom des résultats qui sont là que nous allons dans cette coalition. Sinon, c'était une cohabitation. On allait les laisser seuls au gouvernement. J'allais être seul à la présidence. Et bon, on allait avoir une dichotomie dans la gestion de la chose publique. Ça aurait été dangereux pour la République. D'autant plus que cet équilibre est fragile. Je le disais en réponse à la question de madame, la première, qui parlait de monsieur plutôt, qui parlait de deal. Avec Kabila, je disais, après les élections, après l'alternance, l'équilibre reste fragile. Il faut faire attention que nous ne retombions pas dans les choses. Les gens pensent que ce qui est arrivé est tellement inouï, impossible, c'est pas normal. Il a dû y avoir quelque chose, arrangement. Donc c'est fragile. On a encore de la crédibilité à gagner, j'ai certain. Et surtout, nous avons à consolider ce pouvoir. Donc, faisons-le ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons été des adversaires dans un passé récent. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour avoir la même vision. Et donc, nous allons gouverner ensemble. Et
du tout pas gêné de le dire. Alors, tokosa landenge nini, mais nabandi na makambo naobi na français na pesi déjà miyano, biyano plutôt na motuna na tokosa landenge nini. Mais tokoyokana na ndenge tokokamba mboka. Tokotia mibeko tokani voilà mibeko yango topesi totie esengeli moto nyonso a tosa mibeko oyo ezaliao oyo akobuka mibeko matalie po toza kokotisa justice oyo ezali independante ba instrument nyonso ya contrôle ya gestion ya mboka ekosala mosala na yango oyo akobuka mibeko wana matalie protection ekozala te impunité ekozala te ozala soda ozala civil ozala mokolo ozala mwana ozala tata to mama matalio ozala na obligation ya kokende na justice ko rendre compte. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc comment le faire, je crois que je l'ai dit en français, donc ça ne sert à rien de dire. Merci beaucoup tu connais un message à présent Félix Tshilombo Tshisekedi à l'obaki de Boulogne et l'obaki problème a été sur sa personne sur ce message mususu tokoloba nini Congo oyo ezaba problème. Merci na salon kitoko awana kati ya bwana yolo babi salon océan babi salon océan babi ndeko na biso congolais alinga pe bandeko na babi no ba star salon océan na kati ya na yolo awawa précisément na veni boa et ça pour na bino boya ko sala makam na bino no sawa bomoni cadre kitoko soko ye na yolo babi koti na veni boa o kata pe soutien wa o bozala toujours. Merci na notre ami océan ya petit so espace je pense que bolandi o bokolanda. Merci à Mireille Bolombo moi c'est à Pemba kota ka ngumi na nda kote. Merci na Rachel babi Rachel Tumba babi ndoi na Rachel Tumba Rachel Kokeka, Women Languende Nayo, merci à ma haute Bolandaki émission, merci à maman Gwani, ma tante top modèle, Babi maman Oya Tikarabi Soté, merci à ma haute Bolandaki émission, Oyoyo, Babi émission analyse. Tout ça, il y a une analyse, Naboy Koloba. Numéro Nana, c'est plus 243 89 66 160 47. Bon commenter, bon loba, ce qui est bien au moni, Ndengenin. Analyse, on a beau y avoir invité, Nana, ça l'analyse, Nabino Baboné Nanga. Ma kambango est en dégénin. Affaire pasteur. Et le quel bat ba problème awawa. Pasteur Wale sa komo tambola. N'insécurité tout ça pour ça des missions pour nous baquer. Dans le bac, il m'a bêté pour la présidente de la République. Mais essaye ba problème. Tout le banini. Biso, tout ça gaba oumbo na bino. On a encore beaucoup s'abonner toujours dans Zuma Tumba TV. Moko mona ma kambo en dégénin. Ngaï, na tre na renaître. Bino moko bo jugé. Merci d'avoir honoré surtout tout balanek émission analyse aux arts représentés par Ngaï, votre humble serviteur de Zuma Tumba. Le défendeur est ma maman pour nous recevoir un abîme pour le Mamino Kaka. Bye bye. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous vraiment. Nga lo baral sou pour s'abonner. Mais nga lo baral bokota 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 a gogo pour ce qui binote nzambe mawa. Abonnez-vous massivement na Zumba Tumba TV.